Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reprend la route et cette fois direction Baie, au fin fond du canton de Vaud. Nous allons au Retro Day, cette sorte de grand marché rétro gaming, un peu comme la dernière fois quand nous étions allés à celui près d'Yverdon. Je sais que T-Master recherche certains jeux, du coup, c'est l'occasion d'aller essayer de fouiner et peut-être de les avoir à bon prix. Et comme on sera dans la région, on va droit en profiter pour aller faire un tour à Fun Planet. Donc ce centre de loisirs qui propose normalement encore aujourd'hui des bornes d'arcade. Allez, en route. Jamais de Final Fight, histoire de... Un petit Final Fight sur la route. Allez. Merde! Toi, quand tu filmes, je fais. Là, on est sur le chemin du retour de la Retro Day. Puis du coup, comme on était assez proche de Fun Planet, on s'est dit qu'on allait faire une halte. Déjà, on s'est bourré le bide d'un buffet à volonté. Ouais. Et là, maintenant, c'est l'instant nostalgie parce qu'on est devant l'ancien Fun Planet. Donc celui où on venait jouer à DDR et à toutes les autres arcades il y a 20 ans. Ouais, il y a 20 ans. Il y a bien 20 ans, gentiment, mais sûrement. Et maintenant, il avait cramé, en fait. Donc il l'a...
Il a complètement cramé, dégâts total. Et je sais pas, le bâtiment il est toujours là. Je sais pas pourquoi le bâtiment reste, mais voilà. Et je vais mettre quelques photos parce que j'avais fait des photos à l'époque sur argentique même, mais j'avais pas encore d'appareil numérique, je sais pas. Et je vais les mettre un peu pendant que je parle parce que c'était la meilleure salle d'arcade de Suisse. Je pense, ouais, clairement. Alors, c'était immense. C'était immense. C'était des arcades sur plusieurs étages. Donc là, je mets. Et puis, maintenant, il est de l'autre côté, en fait. Ils ont refait un nouveau bâtiment, mais de. Ouais, à 500 mètres d'ici. Mais pour y avoir déjà été une fois, c'est plus vraiment la même chose. Hein. Non, niveau arcade, c'est plus du tout la même chose. Il y en a, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Malheureusement, ouais. On est devant le nouveau Fun Planet, on va quand même aller faire quelques parties avant de rentrer, voir ce qu'ils ont dedans. Pourquoi il n'y a plus de DDR en fait? Pourquoi il n'y a plus de DDR? Ouais. Parce qu'il y a un con qui a acheté la borne. Mais non. Mais ça doit vraiment être un putain de connard en fait quoi. Qui c'est qui pourrait acheter une borne pour son usage privé? On se demande. De retour dans la game room après cette super journée. Retrodette, t'en as pensé quoi? C'était un très très bon event. Excellent. Meg? Je confirme. Ça fait plaisir de rencontrer les organisateurs d'ailleurs, quelques organisateurs. Et puis j'ai trouvé cool l'idée de leur tournoi sur Nintendo World Championships. Ah oui, oui. Donc vraiment comme à l'époque, c'est vraiment pas mal. Puis vous avez trouvé des trucs pas mal, j'ai l'impression. Ouais. Toi, t'as rien trouvé. Mais moi, j'ai rien cherché non plus, en fait. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, un classique Bayonetta. Alors, Bayonetta, le premier. Et pourquoi sur 360? Parce que je voulais pas la version PS3 qui lag du cul. C'est ça. Donc, déjà à l'époque, hein, la version PS3 avait été vivement critiquée pour son framerate aux fraises et la résolution pourrie. Alors que sur 360, il tournait parfaitement. D'ailleurs, moi, je l'avais fini quasi à 100%. C'est génial. Et il y a bientôt le 3 sur Switch, donc c'est le moment, c'est parfait. Et puis, quelque chose qui... Ah ouais, ça je cherchais pas du tout donc, ça. Donc,
le Total Control 3, c'est... Hein? Alors, c'est un adaptateur pour mettre les manettes de Saturn sur la Dreamcast. Donc, Virtua Stick. On voit pourquoi voilà. On l'achète. Donc, c'est pour évidemment faire marcher ce monstre sur la Dreamcast. Combien tu l'as payé? Alors, j'étais très étonné parce que j'ai un peu... J'avais regardé il y a quelques semaines sur eBay les prix et les trucs, c'était des folies, genre 200 balles. Les seuls qui avaient en vente. Et là, j'ai trouvé ça... 9 apparemment pour 7 balles. Et donc, je suis super content. Et on l'a trouvé sur eBay, hein, exactement ce modèle. Effectivement, c'est entre 190 et 250 balles en gros. Ouais. Bah, moi, je sais pas si les gens achètent voilà. À ce prix, ça me semble fou. Mais... Je me demande qui achète un adapteur à ce prix-là pour deux anciennes consoles. Et quoi d'autre? Un Donkey Kong 64 que je cherchais depuis assez longtemps, à bon prix. Voilà. Alors, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, Donkey Kong 64. Bah je dirais c'est pas au niveau de Banjo-Kazooie, mais c'est de loin pas de la merde non plus. Non, moi je pense pas, hein. Puis le clou du spectacle, on a quoi? Alors ça c'est ce que t'as acheté toi. Alors bah, j'ai pu avoir Bayonetta et Shinobi 3 pour 115 francs. Et parce que t'es une bonne marchandeuse en fait. Oui, je tiens ça de ma mère. Ça fait depuis, je sais pas, 10-15 ans que je le cherche. Et puis c'est l'un des meilleurs jeux de Mega Drive. Et puis, deux aussi de mon enfance. C'est vrai que son prix a pas cessé de prendre l'ascenseur ces dernières années, quoi, hein, des Shinobi. Donc, belle pioche, très belle pioche en fait. Tout ça, c'était... Puis après, Fun Planet, quoi. Ah oui, et puis après, on a été à Fun Planet et c'était vraiment cool. Ben, j'étais il y a pas si longtemps, il y a genre... c'est fait quoi, il y a 2-3 ans. Et c'était pas du tout comme ça. Ils ont de nouveau tout changé. Ouais, ils ont tout changé. C'est très récent, je crois. C'est ben, pendant la crise du Covid, la première vague, je crois qu'ils ont un peu tout refait. Ils ont tout refait. Alors l'entrée est déjà à un autre endroit. Et avant, il y avait au parterre. Et maintenant, il y a plus ou moins plus rien au parterre. Et je dois dire que c'est mieux maintenant que, c'est mieux. Ouais. Que quand ils avaient rouvert le nouvel emplacement. Mais bon, ça arrive pas à la cheville de l'ancien Fun Planet, on est d'accord. L'ancien Fun Planet, c'était un rêve. C'était un rêve, on pouvait passer des heures là-dedans. Ouais. C'était... Ouais. Ben voilà, plutôt une très bonne journée. Et puis, ah ben oui, attends, le flyer du Retro Day, quand même. Petite pub, là. Tu crois que ça nous rapporte du fric? Non, ouais, je crois pas. Je pense pas. Mais en tout cas, merci aux organisateurs, c'était super. Et puis, ben, à une prochaine. Tchuss.